I'm sorry. Ah, c'est trop belle. On se fait là. Hello, bonjour les filles. Donc là on est vendredi. Donc là je suis sortie pour trouver ce que je vais porter. Je suis un peu stressée en fait parce que hier j'étais vraiment fatiguée. J'étais tellement KO que en fait j'ai pas pu avancer sur mon montage d'aujourd'hui. Et j'ai oublié de commander mes lentilles, encore une fois. Donc attendez, je vais me poser pour parler parce que là, je n'aime pas trop parler en marchant. Du coup là je vais à Zara. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. J'ai regardé un vite fait sur le site. J'ai vu quelques pantalons, mais je voulais porter plutôt pour une jupe. Donc, c'est ça mon programme d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je dois aller récupérer mes lentilles. Ensuite, je vais rentrer. Je dois rentrer, me préparer. Non, travailler un peu, me préparer et bouger. Donc, voilà. Donc, je vais avec une amie. Ça va être un peu rapide, je vais pas vraiment vlogger. On va voir ce que je... En fait, là-bas, je cherche un pantalon. Un pantalon noir. Mais, let's go. Les cannes. Ah, les cannes, canon. Je vais pas tarder dans les vestiaires. Je vais pas vous montrer ce que j'ai choisi. Je vous montrerai le soir. J'attends une autre article. Donc, ça va être soit une jupe, soit le pantalon que j'ai essayé. C'est juste, mais je vais porter ça comme ça. Enfin, c'est vrai que c'est juste, mais... Au niveau du fantasme. Donc voilà, donc c'est bon, j'ai trouvé ce que je vais porter. J'ai même pas essayé le haut, mais avec le haut, comment ça va faire? Normalement, ça va faire bien. Il faut que j'achète maintenant des collants. Et je vais aller récupérer mes lentilles. Ensuite, je vais rentrer. Il faut que je prenne un truc à manger aussi, parce que j'ai rien mangé depuis ce matin. Mais moi. C'est ce genre de verre que je veux prendre pour le champagne. Je vais prendre ça, mais pas ici parce que c'est un peu, c'est assez coûteux. J'ai fini à Zara. Je suis venue à Marc & Spencer prendre des collants. Là, je suis en train de m'apprêter. Je suis un peu à la bourre. Enfin, je suis pas à la bourre, mais normalement, je dois être prête à 17h. Il est déjà 17h04. Donc là, vraiment, je vais me maquiller vite fait. J'aurai pas le temps. Je voulais vraiment vous montrer et tout. J'ai déjà mis le haut que je vais porter. Je suis en train de faire mon maquillage rapide, en fait. Donc voilà. I'm sorry. Regardez comment le rouge à lèvres, le lip oil 001, il fait rose sur mes lèvres.
Get up, get up.
terre s'est rêvée bénie. Même sans un contre nom, elle est si très bénie. Basia, bébé, baza et bébé. Mais pas pour mes Daniel. Une journée sans Daniel. N'a pas ma carte nerveux. Il suffit à l'eau, bah alors. Mon bonheur est au max. Dani Nara, l'équipe avant tout. Elle est tellement parfaite. Ma canne s'y fait à moi et dit Kadi. Bon, maintenant, ma dernière idée. Ma couffa, il fait photo. Angèle, ma guisette. C'est que bien. Dire dire à la main que t'es ta ma bonne ma bima. Dire dire à la main que t'es ta ma bonne ma bima. Oh y'a qui qui lui parle dans ce que l'on compte là. Mais on ne voit qu'il a qu'à dire. Come on. Chérie nana. Bébé à moi. Gana sucre. Chérie nana. Pardon chérie, la tela mo balina ta ni puta moto. Pardon mama, bela mo balina ma. Pardon bébé, bela mo me ka mo de konata. Pardon chérie, bela mo balina. Kiki ti. Pardon bébé, bela mo balina ta. Kana si kre ko sa ne leki. Doze doze. Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc nous sommes dimanche matin, il est 7h. 7h21. Ouais, 7h21, le dimanche, je me réveille à 7h21 parce que j'ai pas mal de choses à faire. Je me suis... C'était une journée de chill hier. J'ai rien fait du tout. Je me suis reposée. Je suis restée au lit. J'ai un peu posté un peu ici, et là et là-bas. Aujourd'hui, il faut que je travaille puisque, bon, je suis vraiment... on va dire, régulière dans le vlogmas, quand je vous ai dit. Mais je poste pas tous les jours. Je poste juste lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Donc là, il reste une semaine. Et après, c'est Noël. Non, il reste une semaine après... Déjà, il reste deux semaines avant la fin de l'année. Donc voilà, donc là, je vais aller me laver, je vais vous reprendre après. Là, je vais... Voilà, parce que j'ai pas mal de choses à faire. Il faut que je poste un peu sur Instagram. J'ai plein de trucs à faire, voilà. Bref, anyway, donc là, je vais aller me laver. Ok les filles, donc là j'ai fait pratiquement mon ménage, j'ai aussi travaillé ce matin. Je devais passer un peu à poster sur Instagram et sur TikTok parce que je suis aussi active sur TikTok et Instagram. Mais cette semaine ça a été un peu quiet, donc il fallait que je poste aujourd'hui dimanche. Donc voilà, donc du coup les filles, je suis pas fière de moi, je vous ai pas montré la fin de mon maquillage. J'ai juste fait une petite vidéo quand j'étais à l'arena là-bas. J'ai pas pris de vidéo de ma tenue, j'ai pas pris de photo de ma tenue. Donc du coup je suis partie sur un body avec un pantalon noir. Le pantalon noir que vous avez vu chez Zara, je mettrai le lien, la photo là, dans les vestiaires avec les boutons dorés parce que la jupe elle était trop courte. C'est la même collection en fait, donc ils ont la veste, la jupe et le pantalon. J'ai pris le pantalon, il est un peu taille haute, coupe droite. J'ai mis ça avec mon body, j'ai mis mes petites mules Karen Millen verte et mon trench coat en faux cuir, quoi, en semi cuir. Voilà, j'ai mis... le petit sac noir Céline de ma mère, vintage,
en cuir avec une chaîne dorée. C'est ce que j'ai porté. Donc voilà, le concert était magnifique. Fally Ipupa, c'est un artiste en or. Le mec, il a une voix de dingue qui vous donne la chair de poule, qui vous fait kiffer, qui vous met en transe. Et les jeux de reins, ben on sait déjà, hein, de toute façon, les jeux de reins des Congolais, Congolais, Congolaises, des Congolais savent danser, savent chanter. Mais franchement, jusqu'à aujourd'hui, je regarde encore les vidéos et tout, parce que sa voix, en fait, c'est sa voix est ensorcelante. Donc voilà, il y a eu beaucoup de... Il y a une polémique, en fait, qui passe un peu sur TikTok, où les gens sont en train de comparer entre Paris et Londres, le public et tout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout si le public ne chantait pas et tout ça. Les gens se sont amusés. Moi, tout ce que je sais, c'est que moi, dès qu'il est arrivé, je ne me suis pas assise. J'étais tellement contente, j'étais heureuse, j'étais hystérique. Donc voilà, donc c'est vrai, je ne connais pas toutes les paroles des chansons de Fally Ipupa. Et alors, ça fait quoi? Le but, c'était d'aller s'amuser, aller supporter un artiste africain. Qui vient, voilà, qui est en train de faire sa tournée européenne, qui il a fait Paris, il a fait Londres, et là, il va faire la Belgique. C'était génial. Franchement, je regrette même pas du tout mes sous que j'ai dépensés pour aller le voir. Voilà, donc il y a des concerts, vous allez, vous êtes déçus, mais lui, franchement, vous avez un spectacle tout complet, le chant, la danse. Voilà, c'est magnifique. Je trouve que seulement ça a été un peu, il a été un peu timide dans le sens où en général il fait monter les gens sur scène et tout pour danser et tout, mais il ne l'a pas fait cette fois-ci. Je me dis que c'est peut-être parce qu'on était à Londres et comme il y a le Covid, peut-être qu'on n'a plus trop droit de faire ça. Voilà, c'était super. Hier, je me suis reposée toute la journée. Aujourd'hui, ben, je vais vous montrer. Là, je suis en train de monter la vidéo. Là, c'est la fin de la vidéo. Vous avez vu, je suis encore en peignoir. Je vais rien faire. Je vais recommencer ma semaine dès lundi. Bon, quand je dis je vais rien faire, j'ai déjà fait pas mal de choses quand même aujourd'hui. J'ai édité 4 vidéos TikTok et voilà, j'ai posté déjà sur Insta. J'ai aussi, je suis en train d'éditer mon vlog YouTube. Donc voilà, je voulais faire un petit récap du concert et tout ça. Franchement, j'ai passé un bon moment, je me suis bien amusée. C'est pas tous les concerts où j'irai, en tout cas, c'est parce que c'est Fally Ipupa. Mais les concerts, voilà, c'est plus trop mon truc. Mais c'est parce que c'était Fally Ipupa. Et c'est un artiste que j'aime beaucoup. Il chante trop, trop bien, ce mec. J'aime bien la musique qu'il fait. En plus, c'était de la rumba, spécial rumba, un peu aussi de Ndombolo et tout. C'était vraiment, vraiment, vraiment... C'était trop bien. Donc voilà. Donc sur ce, moi, je vais finaliser le vlog ici. On va se retrouver mercredi. Mercredi pour un nouveau vlog. Franchement, là, la semaine arrive là. J'ai pas trop de programme, donc je sais pas ce que je vais vous proposer, mais je vais tout faire pour être créative et trouver des idées. Donc c'est un vlog assez court. Ceux qui me suivent sur Snapchat, j'avais déjà posté quelques stories. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais déjà posté quelques stories. Vu que tout le monde n'est pas sur Snapchat et TikTok et il y a des personnes qui sont juste sur YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez aussi en job, vous allez aussi danser derrière vos écrans en regardant mon expérience au concert de Fally Ipupa. Donc voilà, donc sur ce je vais vous laisser, je vous souhaite un bon début de semaine et on se retrouve mercredi. Ciao ciao, love you guys, bye.